Être ou ne pas être? C'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir. Dormir. Rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement que l'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Ou peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il venir lors de ce sommeil de la mort, lorsque nous nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut une calamité d'une si longue existence. Oui. Là est l'embarras. Car qui voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et le rubifat que le mérite résigné reçoit d'un indigne, s'il pouvait en être quitte avec un seul poinçon? Du calme maintenant. Voilà la belle Ophélia. Nymphe dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés.